Marie, l'usine foudroyée, est un casse-tête en solitaire. Le but est d'amener Marie d'un point A à un point B. L'usine de Marie a été foudroyée et le centre de contrôle est endommagé. Notre petite machine autonome de réparation intelligente doit l'atteindre pour le réparer. L'usine est représentée par 40 défis à la difficulté croissante. Au début de chaque niveau, Marie est placée sur son icône dans le sens indiqué. Le but est de l'amener jusqu'à la plateforme de sortie. Comme elle est encore un peu sonnée, elle ne dispose pas de toutes ses capacités. Les actions disponibles sont notées en bas de la fiche. Chaque tour, le joueur choisit et place l'une de ses tuiles actions sur la ligne de commande, puis réalise toute la séquence. La première tuile est simplement posée sur la table, mais les suivantes peuvent être mises au début de la ligne, à la fin ou entre deux tuiles. Les actions de base permettent de tourner Marie de 90 degrés dans un sens précis et de l'avancer d'une ou deux cases. D'autres actions s'y ajoutent au fur et à mesure. Pour gagner, il faut que Marie termine son déplacement exactement sur la plateforme de sortie. Si elle tente de traverser un mur ou si elle se retrouve à court de tuiles, c'est un échec et tout le niveau est à recommencer. En cas de besoin, des indices ou même la solution sont à disposition. Pour conclure, Marie l'usine foudroyée est un petit jeu de programmation et de déplacement, simple au début, mais qui fait très vite chauffer les méninges.